Man, j'ai joué contre Stéo, puis honnêtement, j'ai joué contre Trudeau, puis honnêtement, je me sens mal pour lui, parce que j'ai déversé toute ma colère accumulée pendant les autres sets, là, je suis vraiment détendu, je suis vraiment calme. J'ai décalissé Rudeau avec colère, puis je me sens mal, parce que j'aime Rudeau. Tu comprends? Non, en fait, je veux qu'il gagne, parce que j'ai perdu contre Big Fish. Fait que s'il gagne contre Big Fish, moi, ça augmente ma valeur. En tant qu'individu. Ben, si c'est un bon système. Non, je sais, mais ça devrait si c'est un bon système de round robin. Ça, c'est d'autres choses, ça veut dire. Anyway. Non, c'est parce que. Non, mais ils font bien ça. C'est parce que c'est normal, c'est comme ça que ça marche les round robin de Smash. Mais, en tant que grand fan de théorie des jeux. Ouais, oui, il y a tech, puis c'est facile, tout le monde fait ça. Je sais pas. Mais tu vois, c'est ça. Ouais, mais c'est normal. Mais je pense que c'est nul. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, un jour, j'aurais plus besoin là, d'avoir le PR pour win. Là, au Tadine. Il est en train de perdre. Il est littéralement en train de perdre. Non, mais. Ok. Fait que là, quand même. Honnêtement, Falcon, Luigi, j'ai aucune excuse. Même si t'sais, Big Fish est bon, c'est pas une excuse que Big Fish soit bon. C'est pas suffisant. Ça, c'est vraiment un bon upper. Je suis vraiment content qu'il l'ait fait. Je me suis reconnu dans Rudeau au moment où il a fait ce upper-là. J'ai toutes les excuses écrites dans mon calepin imaginaire. Non, mais je sais pas. Le calepin imaginaire, est-ce que tu sais en tout cas? Non, mais. Man, Big Fish. Ok, Luigi, c'est un combat contre soi-même, right? C'est pas toi contre Big Fish actuellement, c'est toi contre les Misfires, c'est toi contre des entités qui n'existent pas. Big Fish chez lui, c'est juste une sorte de. C'est la manifestation du problème. ok, ouais. C'est pas la maladie, c'est les symptômes, Big Fish. Fait que si c'est pas Big Fish, tu peux pas vraiment battre la maladie. Tu peux jamais la battre, Luigi, c'est pas arrêtant. En trouvant les symptômes, tu peux trouver la maladie. Ok, oh my god, c'est comme ça qu'il faut. On a eu cette discussion là plutôt, mais tu peux pas comme essayer de grab le ledge puis jouer autour du ledge pour SGR Luigi, ça marche pas. Pour SGR Luigi, faut que tu jump, tu essaies d'y aller puis tu essaies de le catch pendant son recovery. Non, parce que non, c'est parce que tu peux lui, tu peux faire ça safe, tu peux le catch, mais c'est plus facile de le catch quand il essaie de recover avec des side B que quand il essaie de B. C'est impossible de. C'est, en gros, Marf, c'est pas un Lip of Fate. Marf, si tu peux le faire tout le temps, c'était bon. En exact. Oui. Oh my god! T'as-tu vu ça? Il y a Shield Drop pour continuer les upairs. Genre, c'est moi mes meilleurs! Moi aussi je veux faire des séries d'upairs de même, mais moi je peux pas de Shield Drop comme il fait. Holy shit! Puis là il perd parce que c'est Luigi, même s'il joue comme un god. Holy shit, il a pris son shoot, il est boosté à bloc, puis là Luigi le grave, puis là Luigi le pogne, puis là t'es comme Leadbox, on n'a jamais vu ça de nulle part. Puis là, oh! Un nid! Il fait ça, il s'habille, tu vois! Genre. Ouais, c'est comme ça qu'il faut que t'ailles le chercher, man. T'as-tu? Là, c'est vraiment difficile pour Big Fish de revenir, ça a fucké son recovery. Puis là, il a mis ça ailleurs. Ça, c'est le problème avec fucking Luigi, c'est qu'à partir du moment où tu commences à avoir du momentum, il va éliminer ton momentum. Ok, c'est bon ça, Don't smash, ça, je m'en rappelle. Tu peux pas avoir de momentum contre Luigi. Luigi, c'est un personnage anti-momentum. Il bloque le momentum. Ok. Fait que là, Rudo, oh my god, il est tellement bon. Il descend de la plateforme pour faire son aerial tellement vite, là, ça, il est comme non, mais Alexi, t'as dominé le match-up. Come on, man. Oh! Oui! Let's go! Rudo! T'es trop fort, je sais, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est tellement bon! Holy shit! Ok, on va racheter les noms. Bon, mon technicien va racheter. Ouais, yes. Nat! Il m'a invité au micro, puis là, il y a des regrets, des petits regrets, des regrets que tout le monde pourrait avoir, mais tu sais. Oh my god. Oh! Oh! Man! Rudo va win. Non, mais ok, le match-up, c'est pas compliqué. Tu veux catch Big Fish, puis tu veux faire une série d'aerial, puis un jour tu vas aller garder avec un aerial plus fort que les autres, puis il va mourir. Mais là, t'es sur Dreamland. Non, mais. Qu'est-ce que tu fais contre. Qu'est-ce que tu. Non, mais y'a pas un Misfire au-dessus des stats, ça faut que tu te dises. Non, c'est juste toi qui te fais plus avoir que les autres. J'ai pas.
Ok, fait que là, oh, ça c'était mon recovery, mais il a pas réussi à aller à la ledge. Ça, ça me ressemble de. Non, mais ça me ressemble de rater le ce recovery. Parce que t'essaies de toujours pas te faire hit là. Puis, fait que là, Mais là, l'erreur que je fais, et qui est quand même bonne, puis ça permet vraiment d'optimiser là. Je pense que ça donne des meilleurs résultats. T'as vu comment il bouge? Mais non, ça, je serais pas de mouloir par exemple. On ira pas jusque là, là, quand même. Mais le mouvement, ok. Le mouvement est important. Je pense que pour Luigi, il faut réussir à catch avec des gros aerials. C'est exactement le playstyle de Rudo. C'est peut-être pour ça qu'il me fuck. C'est mon playstyle. Non, mais ça, c'est pas si pire qu'avec Falcon. Parce que Falcon, tu peux le spacer. Le pire qui va arriver, c'est que tu le trades. T'es content de trade Luigi? Oui, mais à notre niveau, Nathan, toi pis moi, on space là. Ouais, mais là. Ben là, moi j'ai vu mon shot là. Je vais avoir vu un shot quand on va faire notre set, ça va être fun. Je vais pouvoir dire que je t'ai battu à ben chaud. Ouais, c'est sûr. Avec un shot. Oh, il est tellement bon. Ben oui! Rudo a pas l'air d'accepter les compliments, on lui dit qu'il est bon, puis là il est pas content, on lui dit qu'il est mauvais, puis là il est salty, puis là il sait pas ce qu'il veut, Come on man. Il est bon, ah ouais, c'est bon la boule de feu man. Elle est pas si pire, mais elle est pas si pire, mettons, quand il essaie de revenir, elle est pas si pire, quand tu essaies de revenir, elle est difficile. Ouais, c'est combinatoire le problème, ouais, je suis d'accord, je pense que tu veux dire. Le problème de la boule de feu, c'est qu'il y a combien de... Ok. Oh non. Oh! Ce single hitner là, anyway, il marche pas, mais j'ai des quoi qui marchait pas dernièrement là. Donne me mentir toutes ces années là avec des single hitner. Oh! Check ça! C'est tellement difficile de revenir par en arrière comme ça quand tu regardes de l'autre côté là. Il y avait tellement de momentum. Ça aussi, c'est parce que des mouvements qu'il pense qu'il y a. Il y a de meilleur que moi là. Dans ce qu'il fait. C'est comme le momentum sur revenir. Je sais pas s'il pense là, mais il en a pas parlé tantôt quand il parlait de ses meilleurs momentum. C'est vraiment lui qui revient sur un meilleur. Grave le ledge! Oh, regarde-moi ça, man. Ça, il me faut ces mouvements là. Je suis tellement jaloux. Revenir sur. Non, c'est comme revenir sur le. Faire un wave dash, par en arrière, sauter, puis pour bait comme l'humanité en entier. L'humanité en entier, pensait pas. Ben, c'est parce que t'en as besoin, man. C'est un mix-up. T'as besoin de mix-up. Mais c'est une erreur, il faut les deux, j'ai juste le punish, man. J'suis tellement jaloux, mais c'est plus facile d'avoir le punish que d'avoir le reste. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Ok. Oh my god. La get up attack sur le shield. Oh! Bunny, le DI était bad, man, il est parti tellement trop loin. Non, le DI était bad. Le Don't Be, c'était pas le problème, c'est le DI après. C'était un problème là, mais tu sais.